Iconographe orthodoxe depuis 30 ans et diplômée de l'École supérieure des arts appliqués, Hélène Blère enseigne l'iconographie au sein de l'atelier Saint-Joseph qu'elle a fondé à Paris en 2005. Depuis 15 ans, en plus de son activité de peintre, elle a participé à plusieurs expositions d'icônes et donne des conférences à Paris. Une icône obéit à un ensemble de règles. Ces règles consistent à respecter les schémas de dessin, de composition qui constituent une icône. Donc on ne peut pas dessiner n'importe quoi ou représenter n'importe comment, ni dans n'importe quel ordre, les événements bibliques, le récit biblique, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Cette église a été construite il y a une vingtaine d'années par le Père Elie, quand le monastère s'est réinstallé dans cet endroit. Et à l'époque, le permis de construire avait été demandé par Père Elie en incluant un bandeau de peinture en façade pour orner l'église. Donc cette peinture extérieure était déjà prévue, programmée, souhaitée dans le permis de construire et acceptée comme telle. Les autres raisons plus profondes sont d'ordre théologique, puisque ce programme iconographique est entièrement consacré aux scènes bibliques de l'Ancien Testament. Et donc, ces scènes nous placent devant le récit du peuple élu, et où la vision des pères de l'Église a toujours considéré l'histoire du peuple élu comme... et les événements qui lui arrivent comme la préfiguration de la venue du Christ sur la terre. Le but de ces peintures, c'est de montrer à travers les événements de l'Ancien Testament, en tout cas une certaine sélection, mais ça concerne tout l'Ancien Testament, c'est de montrer à travers des événements de l'Ancien Testament l'action et la présence mystérieuse du Christ avant son incarnation. Tout ce que je vais dire concerne à la fois les peintures de cet ensemble qui est en cours de réalisation, aussi bien que les icônes qui sont dans des églises, les icônes mobiles, les icônes de l'iconostase, les fresques murales, tout l'ensemble iconographique, le patrimoine iconographique de l'église. Et ça peut être aussi des mosaïques, de l'orfèvrerie et des tapisseries. Et qu'est-ce que nous donne l'icône? Est-ce que l'icône est une simple copie d'un style d'image toujours le même et qui parle toujours de la même chose, toujours du même sujet, ou est-ce que l'icône est une création et nous parle de quelque chose de neuf? Le premier pôle de l'icône, ce sont ce qu'on appelle les canons iconographiques. Les canons signifient en fait règle. Un canon, c'est une règle. Donc ce sont des règles qui sont héritées de la tradition de l'Église orthodoxe, qui sont signifiées clairement par les conciles, les 7 premiers conciles œcuméniques, dont le 7e qui légitime et qui instaure réellement la légitimité de l'icône. Il y a beaucoup de choses à découvrir, à connaître. Il y a le langage symbolique de la couleur, il y a des symboles, il y a des formes. L'icône n'est pas qu'un catalogue de symboles, mais le 7e concile œcuménique dit bien que toute la composition de l'icône relève expressément des pères de l'Église. Ça veut dire en clair que le contenu de l'icône est essentiellement théologique et que pour préserver ce contenu théologique au fil des siècles, puisque nous avons 2000 ans d'iconographie déjà derrière nous, pour préserver ce contenu dogmatique et théologique d'une manière juste, on doit observer des règles. L'ouvrage Lumière joyeuse d'Hélène Blère a pour but de donner quelques clés de lecture du langage esthétique de l'icône, en vue d'une meilleure compréhension de son contenu spirituel. L'ouvrage arrive au bout de son premier tirage et sera édité à une date ultérieure. Nous nous permettons de solliciter votre aide pour poursuivre la construction du catholicon de la Transfiguration. Vous pouvez effectuer un don sur monastère-transfiguration.fr. Tous les liens sont dans la description.